Salut à tous, c'est Jean-Vieux. Aujourd'hui, je suis à Sophia Antipolis pour vous parler d'une super application qui s'appelle Tout savoir en un clic. Tu vas pouvoir trouver tous les commerces autour de toi, simplement lancer l'application et tu vas voir les meilleurs avis et donc pouvoir sélectionner le commerce qui te convient le mieux, donc le restaurant, l'hôtel, bar, et même tu vas pouvoir trouver en réalité augmentée les banques les plus proches. Donc tu as besoin de retirer de l'argent, paf, tu sors l'application Tout savoir en un clic et tu vas trouver la banque juste à côté de toi. Ce que je te propose, c'est d'aller voir, interviewer la personne qui a eu l'idée de ce concept. C'est juste là. Alors l'idée m'est venue en observant les différents outils qui permettaient justement de faire de la réalité augmentée, ce qui était déjà sorti. Et je me suis dit c'est dommage parce qu'à chaque fois on est obligé de chercher systématiquement, faire des saisies à la main. Et donc je trouvais ça très pénible. Et je me suis dit mais comment faire en sorte d'avoir en un seul clic, c'est-à-dire juste en cliquant sur l'application, comment avoir tout de suite les résultats des restaurants qui sont autour de moi par exemple, si je suis face à un restaurant. On a mis ça sur une sorte de Kickstarter en interne chez nous, hein. Tout de suite. On a réussi à récolter les fonds pour la développer. Et très vite c'est sorti et on a eu un beau succès. Immédiatement. Alors on va aller voir maintenant Dario qui a développé l'application Tout savoir en un clic. Donc on va aller dans son bureau, on va lui poser quelques questions. Hop. Bonjour Dario. Bonjour. Alors c'est toi le développeur de l'application Tout en un clic? Oui. Tu peux nous en dire un mot? Si, si. Ben alors l'application Tout en un clic s'est développée en Unity. C'est un applicatif pour faire des jeux vidéo, de la réalité augmentée. Notamment, nous utilisons la partie, la librairie Vuforia pour tout ce qui est réalité augmentée. Notre script, ils ont écrit en C#. Pour faire marcher l'application, on a besoin du GPS pour géolocaliser l'utilisateur. Et grâce aux coordonnées de l'utilisateur, on peut aller faire des recherches de tout ce qu'il y a autour de nous dans les API de recherche. Donc, on a Google, le 112.fr et autres moteurs de recherche. Là. Grâce à Unity, on développe une appli hybride que ça peut être déployée sur plusieurs plateformes, donc par exemple Android, iOS, Windows. Et là, l'appli, elle est dispo sur Google Play, là, oui. Sur Android. Là, maintenant, on l'a développée pour Android et c'est disponible sur le store Google Play. Et il faut un gyroscope hein, pour que ça fonctionne. Oui, il faut un gyroscope parce que pour placer les boules, il faut savoir la direction où ils sont. Et tu peux me montrer là comment tu as codé le truc? Ça va intéresser. Oui, c'est facile Unity? C'est à la portée de tout le monde? C'est à la portée de tout le monde. Alors on voit toute l'équipe là. Alors c'est à la portée de tout le monde parce qu'il y a plein de. Comment dire? Du tutoriel partout. Donc, ça t'a pris combien de temps pour développer cette appli? Moi j'ai passé 3 mois. D'accord, non-stop au boulot hein? Ouais, pas seulement au boulot. Ah ouais, pas seulement au boulot, d'accord. Je peux lancer l'application en simulé. Ah, il faut zoomer à mort. Hein. Eh oui, parce que c'est à la distance. Donc c'est ça qu'on est censé voir sur l'application, voilà, en mode portrait ou en mode paysage. Voilà. C'est plus sympa, moi, je trouve, en mode paysage. Je mets de là et je mets les coordonnées, je parle de la ligne de Silveira. D'accord. T'as commenté, là, tu décommentes. Donc autour du stade, il y a le Flanch, le restaurant Dragon d'Or. Merci beaucoup, Dario. Qu'est-ce qu'on dit alors? Il faut télécharger quelle appli ici? Tout savoir en un clic. Merci, Dario. Ce que je te propose, c'est d'aller tester l'application Tout savoir en un clic dehors. Donc là où je suis en ce moment, en vacances, à Sifour-les-Plages. On va se rapprocher d'un endroit où il y a des commerces quand même. On va s'arrêter là. Tu vois déjà au loin, il y a quelques commerces. Tout ce qui se passe, en fait, c'est là-bas, c'est en face. Hein. Tu vois les distances. Le plus proche, il y a un hébergement ici à 39 mètres qui s'appelle Studio Meubles. Et c'est pour ça qu'en fait, il a recherché par défaut des agences immobilières. Mais tu peux faire une recherche libre, rechercher des restaurants, des bars, des banques. Donc on va d'abord voir les restaurants. A priori, ils devraient être là-bas en face. Tu vois, ils sont tous là-bas. Le plus proche, c'est l'atelier à burger, qui est à 110 mètres, qui n'est pas forcément super bien noté, tu vois, donc c'est pas mal. Quatrième appel en 15 jours, aucune réponse décidément. Alors que restaurant L'Oriental Oasis, 133 mètres, très bon, très bonne adresse. Enfin, un bon couscous à Sifour. Et donc, tu peux te faire guider, voilà, en mode piéton ici. Donc, ça lance Google. Le couscous doit être là-bas, vous voyez. Ici, à 25 mètres, il y a Rapid Pizza. Et là, il y a bien restaurant L'Oriental Oasis. Vous voyez, c'est vraiment... Donc ça peut être aussi un use case, tu vas devant un restaurant, tu lances l'application, il va te la trouver tout de suite et tu vas savoir si c'est bon ou pas d'y aller quoi. Et t'as les commentaires. Allez, on va aller faire un petit tour à la plage quand même. Et voilà, on est arrivé à la mer. Magnifique, non? J'espère que tu auras apprécié le fait que je te montre l'entrée et fabrication d'une application chez Orange. Donc Orange est également mon employeur. Et je travaille avec les équipes qui ont développé l'application Tout savoir en un clic. Je t'invite à tester, à installer l'application Tout savoir en un clic.
Donc il te faut un Android avec un gyroscope. Et si tu n'as pas de gyroscope, tu peux toujours aussi utiliser l'application 118-712 qui va te permettre de trouver les restaurants, les commerces autour de toi sur une carte, mais sans la fonctionnalité sympa de réalité augmentée. Si tu connais d'autres applis pour trouver des restaurants, des coins sympas autour de toi, bah n'hésite pas à les partager en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. On va tourner. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là? On a les restaurants. Non. Le centre Prédo, on a des cafés, des bars, voilà, puisque comme je suis sur la plage, le plus proche c'est les bars, les cafés.